Bonjour tout le monde. Et voilà, je suis dans ma yourte pour celles qui m'écoutent à partir de YouTube. Vous pouvez me zioter à partir de à partir de ma yourte. Et oui, je viens juste de terminer une activation de code de un cercle d'activation de code de lumière, justement avec des femmes qui étaient inscrites à tout ça. C'était un événement gratuit. Et puis, ben, j'étais toute bien installée avec mon micro. Je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas continuer à faire le podcast et l'enregistrement du podcast, justement ici. Alors, je vous fais visiter ma yourte. Bon, pour celles qui seulement m'écoutent, hein, avec, pas seulement, mais qui m'écoutent avec vos oreilles et non, avec votre vue, ben, nous avons autour de nous, je suis dans une yourte, hein, une yourte mongole, donc c'est un endroit qui est très circulaire. C'est une habitation qui a servi et qui sert aussi à le peuple mongol, hein, les nomades en fait. Hein, tu construis, déconstruis, construis, déconstruis, puis tu voyages énormément à travers la Mongolie ou le Tibet, whatever. Et nous sommes, ben, moi j'ai fait construire ça ici dans les années ben, 2020 pour tout simplement recevoir mes groupes de formation. Bon, mes groupes sont rendus un peu plus grands et un peu plus éparpillés au niveau du Québec. Je ne l'utilise plus autant qu'avant parce que maintenant nous faisons nos présentiels à l'extérieur, mais il reste que nous avons toujours du plaisir à le faire. Excusez-moi, vous venez de disparaître et voilà. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de magie. Je voulais vous parler de magie, puis je vais vous parler, je pense, beaucoup de magie dans les semaines qui vont suivre. C'est un peu le thème qui me vient en moi, en soi. Et j'ai en même temps aussi, j'ai une expérience magique qui s'en vient puis qui commence le 21 octobre. Je t'en parle à la fin de l'épisode, justement, que je ne sais pas combien de temps qui va durer, mais bref, on est là ensemble, on vit ce moment-là ensemble. Lorsqu'on parle de magie, en fait, hein, on va pouvoir, moi pour moi, la magie, elle va se retrouver au niveau de la pureté du cœur, au niveau de la pureté de l'intention. Lorsqu'on parle de magie, premièrement, dans notre imaginaire collectif, on va toujours voir Harry Potter et sa baguette magique et tout ça. Moi, je suis une fan d'Harry Potter, fini. Je les ai écoutés, je sais pas combien de temps, combien de fois, les livres et tout ça. J'adore Harry Potter. C'est tellement beau, tellement bien fait, c'est extraordinaire. Mais aussi au-delà d'eux, c'est pas comme ça que les choses apparaissent et font. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Hein. C'est une bonne question à se poser. Est-ce que tu aimerais ça que finalement on puisse faire de la magie comme dans Harry Potter? Mais bon, en fait, nommer la magie, en fait, ça enfreint peut-être une situation différente. Ça amène vers un malaise des fois, mais qui est souvent, c'est souvent biaisé aussi. Comment qu'on peut voir la magie? Moi, je la vois, la magie, comme dans la pureté du cœur. Lorsqu'on est dans notre cœur complètement et qu'on est dans cette pureté d'intention, bien, c'est là que la magie opère. Parce que quand tu es dans ton cœur, tu le sais que tu es lumineuse, tu vas voir la lumière parce que la lumière émane de ton cœur. Bien là, à ce moment-là, c'est là qu'opère la magie automatiquement. Pour moi aussi, la magie, c'est la synchronicité de la vie. Les synchronicités de la vie, c'est de la magie pure et simple. Tu peux pas avoir plus extraordinaire que ça. C'est comme un rallye, une chasse au trésor, c'est donner, recevoir, demander, recevoir, c'est wow, c'est capoté. Puis pour pouvoir voir ces synchronicités de la vie-là et être justement en mesure de comprendre cette magie-là qui s'offre à nous, on doit inévitablement être en pleine conscience. Présente, présente à soi, présente à ce qui se passe, présente à ce qui se présente pour ça. Donc, il y a un rythme qu'on s'impose, nous les humains, qui va à l'encontre de cette pureté du cœur-là. On s'impose un rythme qui répond justement au faire, à tout ce qui est masculin, à tout ce qui est go, 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 action, réaction.
Et retrouver cet équilibre-là entre le être et le faire devient une belle, grande difficulté, mais quand même une belle recherche en magie. Donc, il va toujours se trouver sur votre chemin des signes qui vont être en lien avec le contexte qui vous ont laissé emboîter ce pas. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont toujours nous donner des signes. Puis là, quand je parle de signes, je ne parle pas tout le temps d'une plume laissée sur ton passage. Les signes, là, sont innombrables, innombrables. Tu peux vivre ta journée, ta vie au complet, que par les signes. C'est absolument fascinant quand tu regardes ça. Et c'est là qu'à un moment donné, on a notre vision qui s'élargit. Ça donne une plus grande perspective. C'est comme si on montait sur un promontoire, hein, sur une petite montagne, puis là, on avait une vue d'ensemble encore plus grande. Puis là, il y a des découvertes, puis là, ça commence à nous animer. Puis pour moi, là, ça, c'est de la magie. Et c'est la plus belle expérience qui soit. C'est la plus belle chose qu'on ne peut pas, justement, réaliser. On sait que quand on parle de magie et qu'on s'ouvre à la magie, on ouvre un cheminement, on prend une route tout droit, puis on va évoluer vers la lumière qui est la tienne, parce que tu es une femme lumière, tu as la lumière en toi. Et cette lumière-là, il ne faut pas que tu l'oublies, qu'elle est toujours allumée, elle ne s'éteindra jamais. C'est juste que tu ne la vois pas toujours. Et des fois, c'est les autres qui vont nous montrer qu'on a une lumière, qui vont nous dire qu'on a une lumière. Mais même si les autres te disent que tu es lumière et que tu as de la lumière, si toi tu ne la vois pas, elle ne sera pas efficace nécessairement. Tu dois la voir. Tu dois prendre le temps de la découvrir, cette lumière. Alors, sache que tu n'es pas seule dans ta transformation qui se présente à toi. Non, tu n'es pas seule. Et sache que toute cette puissance-là qui dort en toi demeure aussi longtemps que tu le désires. Elle va prendre sa place lorsque tu vas le décider. Toi, et seulement toi, peux le décider. Justement, de prendre cette lumière et de la laisser s'activer et bouger en toi. Alors, c'était mon message magique aujourd'hui. Puis tu vas le savoir quand le moment va venir. Tu vas le savoir. C'est ça qui est le plus merveilleux. Puis c'est important que tu le saches et que tu t'en rendes compte. Donc, sache que tu es lumière, sache que tu es puissante. Sache que tout est dans ton cœur et que tu es capable d'activer cette lumière-là. C'est extraordinaire. Aujourd'hui est le grand lancement de mon nouveau programme qui s'appelle l'expérience magique. Un programme qui dure 5 semaines, où ce qui va te permettre justement d'élever ton niveau de conscience, de confiance en toi, dans la réception de tes messages. Ça va t'aider aussi à éveiller tes perceptions intuitives, à fortifier l'amour que tu portes aussi en la merveilleuse personne que tu es. C'est vraiment aussi axé sur de la pratique immersive, pour que tu puisses mettre en pratique les apprentissages dans ton quotidien. On se voit une fois par semaine. Tu reçois des exercices, des méditations, la magie des arbres, la magie des sons, la magie de l'air, la magie de la transcendance du sommeil, de l'amour inconditionnel, des rencontres, du regard, la magie de l'intemporalité, la magie de la connexion divine. C'est-tu pas assez extraordinaire? Et puis, je vais te faire un secret. On débute le 21 octobre. Je vais te laisser le lien pour t'inscrire. Et puis, tu peux avoir 25% de rabais
avec le pod que tu vas mettre, activation. Je vais te le mettre aussi, qui est relié dans le podcast. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que t'attends là, pour activer ta magie, là, mais moi je suis prête. Moi, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête à ce qu'on devienne cette grande et belle terre, cette belle et grande magie, cette lumière que... Moi, c'est ça mon rêve. Moi, là, qu'un jour... Bon, et j'ai terminé avec ça parce que mon voisin a décidé de ramasser ses belles de foin dans le champ et on entend tout parce que je suis comme dans une tente ici. Mais c'est comme... mon rêve, c'est que chaque... Toutes les femmes réalisent combien qu'elles sont lumières, qu'elles sont puissantes, qu'elles sont belles, et réalisent combien qu'elles ont ça en elles, et combien c'est encore plus grand, et qu'elles exercent ça tous les jours pour que la vie devienne encore plus belle, plus forte, plus magnifique, pour qu'on devienne une terre meilleure. Bref, c'est un grand rêve, hein? Moi, je sais qu'on va y arriver, je le sais. Merci d'avoir été là encore une fois, et au grand plaisir de se revoir.